Valérie Pécresse est une femme courageuse qui assume ses responsabilités en grande femme d'État. Il faut avoir le courage. Avec 4,8% des voix au premier tour des élections présidentielles du 10 avril 2022, elle ne sera pas intégralement remboursée de ses dépenses de campagne et se retrouve endettée personnellement de 5 millions d'euros. Maintenant, il faut dépenser mieux et moins. Cette femme courageuse a déclaré un patrimoine de 10 millions d'euros et n'aura par conséquent pas de difficulté à éponger cette dette avec classe. Ce courage, moi, je l'ai. Il faudrait du courage. J'aurai le courage de faire. Vous pouvez donc vous dispenser d'éponger ces dettes à sa place et consacrer vos surplus financiers à la préservation des pandas roux. Valérie Pécresse n'est pas une espèce en voie de disparition.